Bonjour à tous, Arnialo, pour Watch the Match, pour une petite preview cette fois-ci. Donc ça va être une preview absent, je sais pas comment ça se dit. En tout cas, les couleurs de Doran, ça c'est une rare, j'espère que c'est bien. On va s'amuser, donc absent c'est blanc vert noir. Alors, on va d'abord. Oh, un petit Biland, un fetch, mais pas dans les couleurs malheureusement. Donc on va sélectionner par rarity. Ah, ça va être bien. Ce petit fetch. Ça va pas être bien. Je vais regarder dans les rares dans mes couleurs. Oh, ça j'aime bien aussi. Là, je pensais l'avoir en double, mais en fait non. Alors, First Strike et Death Touch quand il attaque. Ça me paraît plutôt bien. Donc, on va essayer de jouer blanc-noir. J'ai vu qu'il y avait des Inco blanc-noir. Je vais les sortir. Je pense que c'est sûr que je vais les jouer. Bête ont le flying, très bien. Windstorm, pas très bon Unco. Ça c'est une mue. Si on révèle une carte verte, elle est 3 et peut donner le trample. Pourquoi pas? Quand il arrive en jeu, il arrive en jeu avec deux marqueurs. Quand une autre créature meurt, on met un marqueur sur lui. 2-2 fly, pourquoi pas non plus. Quand il arrive en jeu, on regarde les 4 cartes du dessus de la librairie, on en met une dans la main et le reste au graveyard. Donc ça c'est pas mal avec la nouvelle capacité, j'ai oublié le nom. Je reviendrai dessus, mais Delve, voilà. Quand une créature qu'on contrôle avec une endurance de 4 ou plus meurt, on gagne 4 points de vie. Très honnête, ça, 3-4 pour 4, ça me paraît pas mal du tout. En tutor à land, le vert a l'air pas mal. Je pense pas que je jouerai bleu. Pour un triland. Deux triland. Blanc, vert, noir. Oh, j'aime bien ça aussi. Un peu cher quand même. Alors, mettre un. Oh! Oh, j'en ai deux. Oh, je vais jouer vert. Alors, toutes les créatures gagnent moins 2, moins 2. D'accord, donc ça, je sais pas si c'est bien dans le format. Donc, ce que je sais pour le moment, c'est que je vais jouer bleu. Vert. Après, j'aime bien ça. Ça me permettrait de jouer ça, le vert. Sachant que j'ai deux fixeurs. Un fetch aussi. Alors maintenant je vais. Ça c'est quoi comme couleur? Je pense que je vais pouvoir les mettre. Ça va faire beaucoup de jeux de land qui arrivent en jeu engagé. Peut-être je jouerai pas le blanc. Maintenant je vais sélectionner par couleur pour y voir plus clair. Il y a ça aussi qui était bien. Alors qu'est-ce qu'il fait l'Azban Kid? Oui, il va y jouer le guide Azban. Tout à fait, oui. Ça, c'est les banners, j'en ai plein. Le fetch, il va être joué, bien entendu. Ça fait quand même énormément de land qui arrivent en jeu engagé.
En fait, qu'est-ce que j'ai en blanc? J'ai quand même ça. Je peux aussi splasher le blanc. Je vais vérifier le rouge. Une morph, pas magnifique. 4 dommages. Si on attaquait avec une créature, ça met 5 dommages. Plutôt un bon anti-bête. Une morph moyenne. Mais les morphs sont bien avec ma rare. Si je veux la jouer, ma sword. Ce serait bien que le rouge a l'air nul. Je vais regarder ce que j'ai en vert, ce qui me plaisait bien sur le papier. Je vais mettre de la morph. Ça va être bien dans le deck. Ça, je pense pas que je vais le jouer. J'ai déjà deux incrémental gros. Ça, pourquoi pas, peut-être. Naturel, je sais pas ce que ça vaut dans ce format. Pourquoi pas. Une morph. Je l'aime bien aussi. Donc on va faire une base verte. C'est-à-dire que les cartes blanc noir comme ça vont pas être trop jouées. Pourtant j'aime bien. Mais ça me paraît un peu light. Ça pourquoi pas. On va voir le noir maintenant. Ça je pense que ça va être joué. Une Delphlaying aussi. Ça se coûte quand même cher pour ce que c'est. 2-8. 3-3. Qui peut gagner le first strike pour du blanc? C'est correct. C'est un warrior, j'imagine. C'est un warrior. Une morph. On va jouer. Ça, j'aime bien aussi. Mettre des cartes, ça c'est bien. Moins 2, moins 2. Moins 2, moins 2. Donc, j'ai un premier jet comme ça. Qu'est-ce que j'ai? Donc ça, quand il deal des damage to a player. D'accord. Ça aurait été bien aussi avec mes cartes d'elfe. Ça, je sais pas quoi en penser. Donc, je pense que je vais jouer cette version. Là, je suis à combien? Je suis à 21 cartes. Combien de bêtes? 15 créatures. Il faut que je mette ma sword. Voilà. J'ai quand même pas mal de morphs, donc c'est plutôt bien. Oh, faut payer le tarif. Peut-être je peux splasher rouge pour ça. Quand même fort. On va voir ce que le splash rouge me coûte. Vert blanc, ça va être joué. Là, je suis à combien de cartes? Je suis à 22. Donc, il faut que je rajoute une carte. J'ai toujours le moins 2, moins 2. Je sais pas quoi en penser exactement. Je vais mettre les landes, voir ce que ça donne. La mana base a l'air solide. Donc j'ai juste un land pour splasher mon rouge. Flooded Strand, non. Je pense que je vais jouer quand même une bannière dans ce deck. Pour assurer ma curve avec 4.
ça c'est une morph. Deux archers sont des morphs aussi. Du coup, je suis pas convaincu par les bannières en fait. Si j'ai masse morph. Heureusement, j'ai les moins 2, moins 2. Ça aussi, c'est une morph. Ouais, du coup, c'est un peu chiant si je peux pas me curver, mais je pense que j'ai assez de fixing. En même temps, j'ai pas énormément de side. J'ai ça éventuellement si. J'ai pas spécialement un late game fou. Ouais, j'ai quand même deux incrémental gros. Peut-être je vais jouer le 0-4. Pas spécialement beaucoup d'artefacts, donc je pense pas, je suis pas sûr que Naturalize soit bien. Ça qui avait l'air sexy. Et éventuellement ça quand même qui est fort. Donc on va y arriver, je réfléchis. Peut-être je vais jouer ça, je pense. Alors, pour la main à la base. J'ai une bonne base verte qui est respectée. Le blanc, j'en ai pas tant besoin que ça. Donc, je pense que 2, ça sera suffisant. Après. Alors. Ouais, je pense que ça m'a l'air bien là. J'ai énormément de fixeurs noirs. 2, 4, 6. 5, 9, des verts, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 verts, 2, 4, 6 blancs, mais c'est pas nécessaire. Noir, vert, je pourrais jouer quoi? Noir, vert, bleu sinon? Il est où le bleu d'ailleurs? Ah mais il y avait tout ça que j'avais pas vu. Ok, je me disais bien, je me disais bien, je m'en sors plutôt bien. Donc. Il y a peut-être moyen d'avoir. Ouh, ça j'aime bien. Ça a l'air pas mal non plus. Il m'a 6 minutes, je vais regarder le bleu. Ça j'aime bien ce serpent. Très bien. Donc, du coup, ça change un petit légèrement le schmilblick. Je suis pas obligé de jouer le 0-4. Je l'aimais bien quand même dans ce deck. Je vais regarder ce que j'ai d'autre. Il a 3-3 fly. Mais là, pas mal quand même cette 3-3 fly, peut-être même peut-être la 2-3 fly est mieux. Les géants sont dispensables. Donc je vais jouer les morphs. Ça sera bien avec incremental gros. D'ailleurs, faut que je vois, lui il donne first strike, pourquoi pas.
3-6 aussi, c'est pas mal. Alors là, je suis à 26, faut que je retire 3 cartes. Lui, peut-être, est pas très bon quand même. Lui est dispensable. Peut-être ça en splash, c'est pas top. Remarque. Là, je suis à 25. Faut que je retire 2 cartes. J'aimerais bien garder des créatures. J'ai envie de garder ce Trix. Ah, j'aime beaucoup cette carte, mais je vais peut-être la retirer. Peut-être le main rot au final. Non, c'est quand même bien en shield. Ouais, je joue 41 cartes. On va jouer un maximum de cartes. Ça permettra de les tester. Je pense que j'ai envie de ça quand même. J'ai pas mal de land qui arrivent en jeu engagé. Voilà pour le premier shield. On va voir ce que ça donne. Bien sûr, il y a des choix contestables. Mais bon, c'est mon AP à moi. La première fois que je découvre certaines cartes. Ah, il y avait lui aussi que j'aurais bien aimé jouer. Créatures, peut-être j'aurais dû jouer moins noir. Je peux jouer moins noir et plus blanc. Chose comme ça. Tac, tac, tac. Faut que je fasse vite. Ouais, comme ça. Je retire deux marais, je rajoute deux plaines. Je joue un peu plus vert blanc. Je me parais un peu mieux comme ça. Je vais le valider comme ça. Je vous dis à tout de suite pour la première ronde.